Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous, Claude Sarraute, Valérie Mérès, Stevie Boulet, Isabelle Alonso, Jean-François Derecht et Christophe Alévèque. Comme c'est la journée de la femme, on a décidé de vous encadrer, Christophe, pour pas que vous disiez de bêtises aujourd'hui. Vous voyez, que vous respectiez les femmes. C'est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Mais j'ai toujours défendu la cause des femmes d'une certaine façon. Comment ça, d'une certaine façon? Je pense que la meilleure façon de défendre les femmes, c'est de les attaquer. C'est un agent recruteur des féministes. Il dit un truc, le lendemain, on a 15 000 adhésions. Oui, c'est vrai. Voilà. On va tout de suite attaquer avec la photo. Et puis ça dure qu'une journée, hein. Oui, alors justement. La première photo, c'est la photo de la journée de la femme. Aujourd'hui, 8 mars, mais déjà samedi, il y avait eu, à l'appel de l'association Ni Pute Ni Soumise, 10 000 personnes qui avaient manifesté entre République et Nation. Et hier, dimanche, c'était la fête des grands-mères. Bref, ça fait 3 jours que ça dure. C'est plus une journée, ça, 3 jours. C'est bien les femmes, hein. Tu leur donnes une journée, elles en prennent 3, déjà. Tout à fait vrai, avec les femmes, tu leur donnes ça, ça devient ça, alors. Prétentieux. Ouais. Vous y étiez? Évidemment que j'y étais. Alors, c'est pas seulement à l'appel de Ni Pute Ni Soumise, hein, c'est à l'appel de toutes les organisations féministes. Les chaînes de garde, toutes les femmes. Mais le cortège Ni Pute Ni Soumise, c'était quand même le dernier salon où l'on cause. Hein. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il y avait du ministre, il y avait du couturier, il y avait du... je ne sais pas, moi, il y avait de la rédaction de magazines féminins. Enfin, c'était très chic. Ah bah, c'est très à la mode. Ah, voilà. Ça a détrôné les chaînes de garde. Tant pis pour vous. Ah, ah non, ça n'a pas détrôné les chaînes de garde. Ça n'a rien vous, à c'est voir. Pas plutôt l'association Mi Pute Mi Soumise? C'est d'une grande facilité. Laurent, oh, mais c'est assez drôle quand même. Juste pour dire que l'humour sexiste est à peu près aussi drôle que l'humour raciste. Oh, je suis un peu d'accord avec elle. Hein. Pas ma faute si vous êtes espagnole. Moi, j'ai qu'une chose à dire. S'il y a des hommes qui nous regardent, je suppose qu'il y en a parmi les millions de spectateurs. Évitez que votre femme fréquente Isabelle Alonso. C'est une cata. Moi, la mienne, par exemple, avant, elle parlait que quand je l'autorisais. Elle avait un orgasme quand je l'autorisais. Et quand vous pouviez. C'est pas pareil. Plus sérieusement, pour célébrer cette 28e journée internationale de la femme, même le journal Le Parisien s'est transformé, vous avez peut-être vu ça ce matin, en Parisienne. Vous avez vu, La Parisienne, ils ont appelé leur journal. C'était une bonne idée, mais franchement, le jour où Le Parisien s'appelle La Parisienne et célèbre la femme, mettre en bas de la une, regardez, une publicité pour la pilule minceur, franchement, c'est pas sympathique. De toute façon, tout le monde le dit, une journée, ce n'est pas suffisant. La preuve, Christophe Alévèque a déjà prévu de rentrer chez lui ce soir et de dire à sa femme, « Allez chérie, c'est la journée de la femme, ce soir, tu ne fais pas la vaisselle. Laisse-la de côté, tu la feras demain. » C'est ça, hein, Christophe, en tout cas. C'est vrai que quand on voit la liste du Parisien, ce que veulent les femmes, pour les hommes, c'est un métier à temps complet. Hein. Je me demande si elles en veulent pas un petit peu trop. Moi. Il va être sérieux, 2 secondes, pour dire que le Secours Populaire français lance une grande campagne contre la violence conjugale, puisque une femme sur dix est victime de violence conjugale. Il y a toute une opération pendant toute la semaine. Il y a un pins qui est vendu 2 euros au profit du Secours Populaire et au profit de cette campagne qui va durer quelques jours. Il y a des courts-métrages qu'on peut voir un peu partout et on peut entendre et voir des spots à la télévision et sur les radios contre cette violence conjugale. Bon, Laurent, je crois qu'on a assez fait sur les femmes, hein, si on passait à des sujets sérieux maintenant. Non, je voudrais Allez, une autre photo. Celle de Ségolène Royal, puisque c'est elle qui arrive en tête des femmes politiques préférées des Français. D'après un classement du JDD publié hier, elle est première, juste devant Michel Alliot-Marie, Martine Aubry et Arlette Laguiller. Mais ça, évidemment, c'est parce que le sondage aussi a été effectué trop tôt. Sinon, la première femme de ce classement, ça aurait été évidemment Élodie Gossuin, Miss France 2002. C'est en effet la première fois qu'une candidate à une élection régionale fait la une de télé 7 jours. On est compte un peu. On se demandait si elle avait un programme, maintenant on le sait, elle a même le programme de toutes les chaînes.
Une autre photo, celle de Michael Schumacher. On change de registre. Il a déjà remporté, oui, le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. C'est le défaut de la F1 par rapport aux voitures de rallye, ça tourne en rond. L'Allemand a terminé en tête devant Fernando Alonso et Rubens Barrichello. Et franchement, regardez cette photo publiée par le journal L'Équipe. C'est pas sympathique ce qu'il fait Schumacher à Barrichello. Il fait des oreilles d'âne dans le W. Il peut bien faire son malin, Schumacher, parce que de toute façon, nous, on le sait, le plus rapide sur Ferrari, et ça tous les dimanches, c'est Thomas Hugues. Attendez, parce que Stevie, qui n'a pas encore ouvert la bouche depuis le début de l'émission, voudrait parler de Schumacher, parce que la F1, c'est son truc. D'abord, il vient du Mans, il y a beaucoup de courses automobiles là-bas. Oui, mais pas de F1. Il n'y a pas de F1, non, mais vous avez, non, mais forcément, vous avez un F2, F3, vous, mais... mais alors... Ben non, moi j'étais plutôt surpris parce que j'ai regardé. C'est pas vrai. Si, bah si, tu vois comme quoi des fois on pète les plombs. Mais j'ai regardé et ce qui est surprenant, c'est qu'il est toujours hyper content de gagner. Bon, il est content, il manquerait plus qu'il soit pas content, mais il saute pas en l'air comme Noah quand il avait gagné. Non, attends, bah, faut pas qu'il lâche le volant. Hein. Allez, une autre photo, on reste dans le sport. Une photo de Romain Ménil, notre perchiste français qui, hélas, a échoué hier au championnat du monde d'athlétisme en salle à Budapest. Il croit à chaque fois qu'il faut passer sous la barre. Mais non, c'est au-dessus, hein, Romain, qu'il faut passer. Heureusement, on a une femme, Isabelle Alonso, qui a remporté la seule médaille française de bronze aux 60 mètres haies. Il s'agit de Linda Ferga-Codada. Autrement, on n'aurait eu aucune médaille si elle n'avait pas remporté cette médaille. On n'aurait rien eu. Les athlètes français ne se dopent pas, mais franchement, ils devraient. Hein. Et Derek ? Vous vous êtes trompé, elle ne fait pas du 60 mètres, elle fait haltérophile, mais elle a oublié la barre. Non, là, elle vient de gagner, là. Elle est contente. Mais Romain Ménil, ça serait pas un peu le Kournikovo du saut à la perche? C'est-à-dire, vous le trouvez très beau, très mais joli pas garçon, de résultat. Il a encore pas fait grand-chose, quoi. Oh. Mais il est beau à regarder. Et c'est le frère de Miro. Miro, non, Miro. Oh, non. La journée de la femme, hein. Ça me fait penser qu'on reçoit Bruno Mazur. À la fin de l'émission, autre photo, l'homme le plus vieux du monde, un Espagnol mort à l'âge de 114 ans, Monsieur Moll. Oui, c'est son nom, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas bien de rire à ça. Il s'est éteint des suites d'un rhume. Ça, c'est les conséquences de la canicule. Maintenant, on a mis de la clim dans toutes les maisons de retraite. On crève de froid. L'homme le plus vieux du monde nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi. C'est son père qui nous a appris la nouvelle. On termine, je crois qu'il vaut mieux. Par le salon de l'agriculture qui a fermé ses portes hier avec un nombre affiché de 700 000 visiteurs. Avant de fermer les portes, on a quand même vérifié si Jean-Pierre Raffarin n'était pas encore à l'intérieur. Mais non, le Premier ministre prépare déjà les prochains salons. Le salon du livre, spécial Poitou-Charentes. Le salon de l'automobile, spécial Poitou-Charentes. Le salon de l'ameublement, spécial Poitou-Charentes. Et on prévoit même avant la fin de l'année un salon Poitou-Charentes, spécial Poitou-Charentes. On n'en peut plus! Ras-le-bol! Ouais. Avant, c'est vrai, avant on l'aimait bien cette région, mais on n'en peut plus du Poitou-Charentes. Même les indépendantistes corses et les autonomistes bretons, ils nous emmerdent moins. En 732, Charles Martel avait arrêté les Arabes à Poitiers. Il en faudrait un en 2004 qui trouve pour bloquer Raffarin là-bas. Ça, ce serait bien, parce que le problème du Premier ministre, c'est qu'il fait pas seulement les choses à Poitiers, il les fait à Paris aussi. Un livre qui fait beaucoup parler en ce moment, il est sorti la semaine dernière, SNCF, La Machine Infernale, aux éditions du Cherche Midi. Un bouquin très médiatisé, écrit par trois journalistes, Nicolas Beau, Laurence Dequet et Marc Fressoz. Un livre sur la SNCF, comme ça, ça ne paraît pas forcément délirant de fantaisie. Évidemment, à la limite, vaut mieux lire un roman de gare. Et pourtant, SNCF, La Machine Infernale, est une enquête captivante, grâce à laquelle on comprend le fonctionnement et l'organisation de la sonosofeu, comme on l'appelle. Pour ce qui est des grèves, un tome 2 est déjà prévu. Pour tester ensemble ce livre, SNCF, La Machine Infernale, accueillons tout de suite l'un des trois journalistes auteurs de ce livre, Nicolas Beau. Bonjour. Est-ce que monsieur Louis Gallois, le patron de la SNCF, a lu ce livre ? Alors, officiellement, non. D'ailleurs, il a conseillé à tous ses collaborateurs de ne pas l'ouvrir. Parce que ça le gêne vraiment, le contenu de ce livre ? Écoutez, il n'est pas franchement gentil pour Louis Gallois, mais il est quand même à la tête de SNCF depuis 8 ans.
Donc on a pensé qu'il était peut-être temps de lui poser quelques questions. D'accord. Par exemple, le fait que l'État donne chaque année 10 milliards d'euros à la SNCF, c'est-à-dire 4 fois le budget de la culture. Avec ça, on pourrait remettre les intermittents au travail. Quand même, elle marche pas mal, notre SNCF. Quand on voit les chemins de fer à l'étranger, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou ailleurs, c'est pas terrible. En France, en dehors des jours de grève, c'est vrai que c'est un peu un cliché. Il n'empêche que notre réseau ferroviaire est plutôt bon. Non, ça marche mieux que partout ailleurs. Ah, ça roule. Non plus. Voilà. Ça roule, mais ça coûte. Voilà. Claude, vous l'avez lu ? Moi, ça m'est tombé sur la tête. J'ignorais plein de choses. Je ne savais pas à quel point les TGV... C'est vrai, tu as raison, tout le monde s'enorgueillit en France. Et tout le monde est fier. En plus, c'est très commode quand tu es desservi par un TGV. Combien ça pouvait coûter ? J'ignorais absolument le fait que les lignes de banlieue, 2 200 000 voyageurs par jour, et elles sont pourries, ces lignes de banlieue. C'est très costaud, mais vous avez dû mettre des semaines et des semaines et des mois pour enquêter là-dessus. Ils s'y sont mis à trois. On s'est mis à trois, mais on a voulu montrer cette SNCF à deux vitesses où toute l'énergie, les budgets ont été mis vers le TGV. Et alors quand on pense qu'aujourd'hui Mme Chirac veut faire de Limoges-Poitiers, alors là c'est absolument ahurissant puisqu'il sera vide. De toute façon, il ne sera jamais fait parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça, donc RER. Pour reparler de ces trains de banlieue, à la SNCF récemment, M. Gallois, qui a un caractère quand même ombrageux, un peu difficile, c'est un chevènementiste. Il s'est disputé avec le directeur régional de Toulouse. Bon. Eh bien, il l'a mis au purgatoire, c'est-à-dire chargé des lignes B et D du RER. 700 000 voyageurs par jour, si vous voulez. Le purgatoire, le placard à la SNCF, c'est s'occuper des banlieusards. Isabelle ? Alors moi, ça m'a intéressé ce livre, évidemment, parce que je crois que tout le monde a un rapport affectif à la SNCF. C'est vraiment quelque chose qui nous touche presque sentimentalement. Alors Gallois a vraiment tort de ne pas vouloir qu'on lise ce livre, parce qu'il a tort de ne pas savoir ce qu'on lui reproche. Alors moi, ce que je trouve odieux, c'est qu'on donne beaucoup d'argent à la SNCF et qu'elle soit gérée par des incompétents notoires. C'est évident quand on lit ce que vous dites. Et puis, malheureusement, c'est très vrai qu'il y a une SNCF à deux vitesses parce que les trains de banlieue et le RER et tout ça, c'est mal foutu, c'est en retard, c'est sale, c'est désagréable, on ne se sent pas en sécurité. Alors, il y a beaucoup à faire. C'est dommage que ça soit un purgatoire, ça devrait être une priorité, quoi. Et puis, quand même, il n'est pas très bien fait, votre livre. Pardon, mais il n'y a pas les horaires. Vous avez les horaires de la SNCF, mais il faut des grosses lunettes pour les lire. À l'évêque. À vous lire, ça me rappelait cette phrase qui disait quelle est la différence entre un fonctionnaire de la SNCF qui travaille et celui qui fait grève. Il y en a un des deux qui est en mouvement. Donc, c'est vrai que, bon, peut-être qu'il y a des abus à ce niveau-là, peut-être qu'il y a du corporatisme, peut-être qu'il y a des choses à deux vitesses, il y a de l'argent mal placé. Mais la question centrale là-dedans, quand même, quel est le rôle de l'État ? Est-ce que le rôle de l'État, c'est de faire des bénéfices avec la SNCF ? Est-ce que c'est de faire de la décentralisation, comme on l'a vu une fois dans l'émission, et de mettre des péages sur les nouvelles routes qui vont être construites ? Est-ce que c'est de privatiser tout ça pour avoir quoi ? Le résultat qui est en Angleterre et qui est une catastrophe. Alors, moi, au bout du livre, sans me faire l'avocat de la SNCF, mais pourquoi vous donnez ça ? Dans quel but ? Non, mais livre est dangereux. Nous, ça ne nous gêne pas qu'on dépense plus d'argent public pour la SNCF, mais qu'on le dépense bien, qu'on le dépense dans les banlieues et dans les trains régionaux, qui sont du service public. En revanche, aujourd'hui, le TGV, ce n'est plus du service public. Si vous voulez, si aujourd'hui, moi, si je dois aller à Marseille ou à Londres, je préfère aller en TGV qu'en low cost. Mais si vous voulez, aujourd'hui, l'État n'a aucune raison de mettre de l'argent pour favoriser les bobos qui vont dans le Luberon pour un week-end ou les hommes d'affaires qui vont à Bruxelles ou à Londres pour un séminaire et mettre de l'argent pour qu'ils payent leurs billets beaucoup moins cher qu'ils ne coûtent. Stevie ? Franchement, d'accord, ça coûte peut-être 10 milliards d'euros par an, mais comme on ne peut pas dire, moi qui le prends souvent, je vois au fur et à mesure du temps quand même que les guerres se modernisent. Les gares, j'ai dit quoi ? Les guerres aussi. J'ai vu, attends, je termine. Stevie, tu prends le TGV, quand même, précise que c'est le TGV. Oui, c'est le TGV, mais bah tu oui, sais, toujours. Au Mans, t'as pas que des TGV qui passent aussi. Il y a des voitures. T'as des trains, t'as des corails, etc. Et je peux te dire qu'il y a 2 ans encore, au Mans, il y avait des corails qui passaient qui étaient absolument pourri. Et au fur et à mesure, la SNCF les change. Donc on voit quand même où passe l'argent. Du problème. Voilà. À l'évêque. Ce qui pourrait arriver de mieux avec le livre qui est extrêmement bien fait, moi je ne veux pas défendre la SNCF, mais c'est que le ministre des Transports mette le point sur la table et puis aille regarder les comptes. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on dit à la fin. Monsieur Derobien, aidé par Miss France. Voilà. On dit que la... Direct. Alors bon, moi comme tout le monde, c'est vrai que j'aime bien la SNCF, j'aime bien le train.
Alors, il y a des révélations, effectivement, sur le côté, sur la bureaucratie, effectivement, envahissante qui règne à la SNCF, genre la loi PIP, par exemple. C'est quoi, la loi PIP? La loi PIP, c'est pas d'initiative, pas d'emmerde. Vous avez une rancune. Il y a un truc qui s'est passé dans le train, dans votre vie. Non, c'est pas ça. C'est que c'est 10, j'adore le train, mais c'est 10 milliards d'euros, si vous voulez. Par an, je trouve que l'argent public est rare et cher. Et qu'avec ça, on peut faire beaucoup d'argent. Là aussi, la SNCF perd de l'argent. Ce que moi, j'ai trouvé comme... pas logique. C'est que maintenant, ils mettent des contrôleurs. Tu peux plus accéder au quai sans ton billet de transport. Alors, dans les TGV, en tout cas. Dans les gares TGV. Tu es obligé d'avoir ton ticket pour rentrer dans le train, pour avoir accès au train. Et dans le train, tu as encore un autre contrôle où tu as 4 contrôleurs qui passent dans le train. Ben, s'il s'est contrôlé avant, pourquoi ils recontrôlent dans le train? Donc il y a plein de trucs comme ça où tu as 6 personnes qui sont rémunérées alors qu'on pourrait se passer de 2 personnes. Bah, vous n'avez pas en plus... Oui, ça ferait du chômage. Ouais. Oui. Mais oui, ça ferait du chômage. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. L'État, c'est pas une vache à lait. C'est qu'il y a un moment où... Tu dis ça, on a un bon... Non, non, non. Mais moi, j'avais jamais entendu ça. C'est bien que l'État soit une vache à lait, parce que comme ça, il voit passer les trains. Non, parce que tu... Mais non, mais c'est horrible. Regarde, Isabelle. Je suis pas pour le chômage, mais quand tu vois que la France est endettée de 1000 milliards d'euros et qu'on a un déficit de 4%, eh bien merde, sur le produit intérieur brut, on est grave en train. Mais que se passe-t-il? Mais oui, non, mais c'est vrai. Je demande. Je demande à partir d'aujourd'hui qu'à chaque fois que Stevie parle, il y ait des sous-titres pour qu'on puisse comprendre où il en est. Mais non, il faut que Stevie aille avec Miss France. Il a raison. Parce que les Français disent, ouais, service public, c'est bien, c'est bien. Certes, c'est génial, mais ça coûte énormément d'argent et la France s'endette. Vous auriez dû prendre comme quatrième auteur. Et si la France s'appauvrit, la France ne peut pas investir ailleurs. La France ne peut pas avancer et l'économie ne peut pas repartir. Voilà. Parfait. La machine infernale, c'est au Cherche Midi. Un bouquin, tout un dossier sur la SNCF, signé par Nicolas Beau, Laurence Dequet et Marc Fresso. Merci. Merci. Nous allons maintenant parler de nos amis les batraciens, c'est-à-dire les grenouilles, les crapauds, les salamandres ou encore les tritons, qui sont en danger, victimes de la circulation. En effet, les grenouilles ne connaissent pas bien le code de la route et traversent instinctivement quand le feu est vert. Mais aussi, les grenouilles sont victimes de la disparition, essentiellement, il faut bien le dire, des zones humides. La population batracienne est donc vraiment, véritablement en train de disparaître. C'est pour la 10e année consécutive, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels de France qui a donné le coup d'envoi de cette opération Fréquence Grenouille qui vise à sauver les grenouilles qui nous restent. Avant de parler de cette opération, Dan Bolander, qui ne perd jamais son sang-froid, a testé pour nous les batraciens en danger. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé sauver les grenouilles. Hein, mon bébé? Bonjour. Nous faisons traverser les grenouilles. Parce que le problème avec toutes ces voitures sur cette route, vous voyez, c'est que les grenouilles sont écrasées. Voilà, donc là, on essaye de les sauver. Ça va durer longtemps? Il est pour 20 minutes, mademoiselle. Parce que... Qu'est-ce que ça à faire? Je commence à 2h30. Vous pouvez couper le moteur parce que ça les excite. Ah oui, puis quoi encore? Vous voulez pas que je descende et que je les fasse traverser, vos grenouilles? Il y a une grenouille au milieu de la route qui traverse, monsieur. Rien à foutre de tes grenouilles, moi je m'en ai travaillé, moi. Monsieur, c'est important, il y a des milliers de grenouilles. Tu tues pas des grenouilles, moi, et hop, tu te casses avec ton bordel. Mais elles traversent, monsieur. Mais alors, tu tues pas, tu l'attrapes, tu le fous en l'air, ton bordel. Il y a des centaines de grenouilles qui sont en train de traverser le champ. Ah, je passe ici tous les jours, j'ai jamais vu de tes grenouilles. Bonjour monsieur, nous faisons traverser les grenouilles ici sur la route. Non mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi là? Non sérieusement monsieur, ce sont des batraciens qui se font écraser chaque année sur les routes. Et là nous faisons... Attendez, vous croyez que j'ai que ça à faire? Toute la semaine je roule, il faut que je fasse attention aux chevreuils, aux sangliers, aux lapins, aux grenouilles, aux serpents. Non mais attendez, alors j'en finis plus moi. Monsieur, c'est important la protection de la nature quand même. La protection de la nature, arrêtez, on les bouffe les grenouilles. Et vous venez vous casser les pieds pour les grenouilles qui vont traverser là. Pourquoi vous faites pas les machins pour les escargots dans ces cas-là? Ben on y pense. Les escargots dans ces cas-là, bon, on va rester là, on met en banquette et on dort pendant 48 heures. Nous faisons traverser les grenouilles. Il y en a combien comme ça? Ben une centaine. Bah vous pouvez pas les porter, ça irait plus vite, non? Bah il y en a juste pour 20 minutes. Hein. Ouais, vous rigolez quoi? Non, sérieusement, elles sont en train de traverser en fait la route. Je vais pas attendre 20 minutes quand même. C'est important, et elles vont se faire écraser, monsieur, nous sommes là pour leur sauver la vie, vous voyez. Monsieur, peut y aller ou pas? Je peux avancer un petit peu là. Ah, vous pouvez y aller. Bien, merci. Voilà, ben je vous en prie, hein.
Stop, 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 stop. Il y en a une autre qui traverse, désolé. Bah, vous pouvez les porter aussi, les prendre à la main. Vous voulez que je les prenne à la main, moi? Leur faites pas de mal. Pourquoi voulez-vous que j'y fasse du mal? Voilà, attention, 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 vous allez l'affoler, là. Non, je vais pas l'affoler, vous donnez quoi, là. Vous pouvez pas faire ça? Vous appelez ça de la protection, vous le faites même pas? Ouais, moi, ça me fait peur. Et vous êtes? Garde forestier. Garde forestier, vous avez peur des grenouilles, hein, bah, c'est un vrai problème, hein. On va tout de suite accueillir quelqu'un qui est président du Conservatoire d'espaces naturels de la région Picardie. Cette opération du réseau des conservatoires d'espaces naturels, c'est lui, ça le concerne. Voici monsieur Christophe Lépine. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si en coulisses, vous avez vu notre caméra cachée, mais vous avez du boulot, hein. Alors, heureusement, on ne les fait pas traverser comme ça, quand même. Ah, vous les faites traverser comment, alors? Non, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui existent dans certaines régions, avec des petits filets le long de la route. Mmh. Hein, il y a les petits animaux, les grenouilles, les crapauds, les tritons, qui vont essayer de passer parce que leur instinct les pousse à aller de l'autre côté, je dirais là où il y a la mare, où ils vont aller se reproduire. Et puis, comme ils ne peuvent pas passer, ils vont longer le chemin. Et là, il y a des seaux qui sont enfouis dans la terre et les animaux vont tomber. Et le lendemain, il y a des bénévoles ou des professionnels qui vont aller récupérer les seaux pour leur faire traverser la route, évidemment. Je vous donne un petit exemple qui va vous faire rire en cette journée de la femme. Mais le crapaud, alors, la femme crapaud, qui est beaucoup plus grosse que le mâle, elle traverse la route et le mâle qui est feignant, hein, c'est habituel chez les êtres humains, oui. Il va tendance à vouloir s'agripper sur la femelle et se laisser traverser comme ça la route. Ça me rappelle quelqu'un, voilà. Je vous donne juste un chiffre quand même, hein, c'est que quand vous avez sur une route, il y a une voiture par minute qui passe, ça détruit 90% de toute une population en un mois qui fait la migration. Parce qu'en fait, ce qui se passe, hein, c'est que les animaux dorment l'hiver dans les bois et puis en mars-avril, ils vont aller traverser la route pour Ça veut dire vraiment que si on doit ainsi y faire attention, ça veut dire qu'elles sont vraiment en voie de disparition? Oui, alors nous, c'est vrai qu'on utilise ce symbole des grenouilles qui amusent un petit peu tout le monde, ce sont des animaux un petit peu sympathiques, hein, pour sensibiliser les gens sur la nécessité de protéger les zones humides qui sont en danger. Alors les zones humides, c'est toute une faune et une flore très importante. Il y a les grenouilles, les petits crapauds dont on parle évidemment, mais il y a aussi, je dirais, tout l'impact que ça a sur les paysages, sur les milieux naturels. Et puis aussi, je peux vous donner un autre exemple, c'est la ressource en eau. Quand vous avez des zones humides qui sont de bonne qualité, et bien forcément, l'eau, elle va être naturellement épurée. Donc quand on va capter l'eau pour l'eau potable, et bien elle va être de meilleure qualité, donc ça coûtera aussi moins cher pour la facture d'eau. C'est jusqu'au 15 avril, hein, cette opération. Sauvons les grenouilles. Stevie, vous avez des grenouilles près de vous, là? Oui, j'ai des grenouilles. Ce sont des xénopées. Ça vient d'Afrique. D'accord. Voilà. Tu connais maintenant. Peut-être qu'il était en grenouillère il n'y a pas encore longtemps. Moi, j'ai eu un couple de grenouilles comme ça chez moi. Ah oui, dans un bocal. Deux académiciens. Derek. Ah ben moi, franchement, je ne connaissais pas ce problème, mais alors là, je dis bravo. Hein. Là, vraiment, si, vous posez vraiment les vrais problèmes de notre société. C'est bien de porter haut le drapeau des crapauds. Mais tout à fait. Et je crois d'ailleurs que vous êtes soutenu dans cette démarche par de nombreux syndicats, notamment la CGT, la Confédération des grenouilles et des têtards. Et je dis bravo, mais alors, seulement où est-ce qu'on en est? Mais les mouches, qui va les défendre? Parce que je vous accuse d'être un assassin de mouches, monsieur. Mais c'est ça, j'ai jamais compris. Les crapauds, un crapaud, c'est petit. Tu peux fermer ta gueule, oui, merci. J'ai un problème important. La défense des mouches, personne. Les mouches, elles n'ont jamais la parole. Et vous êtes là, les grenouilles. Et je dis, monsieur et les mouches. Voilà ce que je veux dire. Il va falloir qu'on se penche sérieusement sur la question. Est-ce qu'on serait pas en train d'enfiler les mouches? Ouais, mais attendez. Oui. Les grenouilles ne mangent pas des mouches. Enfin, c'est rare. Oui. Il y a bien des tortues. Si toi tu y donnes, mais la mouche, elle est au sol. Enfin, le crapaud. Mais est-ce que tu peux être bête, mon petit bichet? Attends, non. La mouche, elle vole. Le crapaud, il est pas. La grenouille, elle saute. J'ai l'impression d'être à Guignol, moi, ici. La grenouille, elle saute. Ah, si, je suis d'accord avec toi. Mais la mouche, elle vole pas non plus à 50 cm du sol. Ah, ça n'est rien aux mouches. Mais si, ça n'est rien. Tu connais pas aux mouches. Oh non, mais là, j'ai un bestiaire, là.
À la rigueur, ça va. Ah, c'est spectacle, hein. Vous m'avez marré là en face. Hein. Valérie, je vous sens investi par le truc. Oui, parce que ça m'a rappelé quelque chose. Ah. Figurez-vous que la première fois que j'ai chanté sur scène dans un spectacle, c'était au Splendide, le spectacle s'appelait Ma tête est malade, et je chantais une chanson sur les grenouilles. Ça faisait quoi? Ça vient de remonter, là. Ça faisait quoi? Alors, je me souviens que du début, hein. C'était « Allez, grenouilles, coin, coin, croix, croix. » Ah non, c'est pas fini, c'est parce que moi je faisais... moi, je faisais « Allez, grenouilles », et les autres, ils faisaient « croix, croix. » Alors après, on va le faire, vas-y. « Allez, grenouilles. » »« Croix, croix. » Ça grouille, c'est nouille. « Croix, croix. » Les batraciens, c'est pas malin, malin. Croix. Et après, je me souviens plus. C'est intéressant. C'est bien. C'est bien. Eh ben, vous vous rendez compte, la carrière après. Non, mais ça mène à tout, hein, les grenouilles. Soyez un peu plus sérieux, il y a quand même... Oui, oui. Il a un bouquin sur les grenouilles. Parce que dans différents pays... Qu'est-ce qu'il a, le tétard? dans différents pays, notamment en Amérique du Sud ou en Afrique, il y a des grenouilles qui sont interdites à l'exportation. Pourquoi? Eh ben justement parce que les espèces en Amazonie en général... Parce qu'il y en a qui sont mortelles, je crois. Oui, mais je pense que c'est pas le problème. Le problème, c'est que... Ennuyeuse, en tout cas. Vous avez vu ce qui... Gonflante aussi. Oui. Oui, non, toute cause est juste à partir du moment où elle est bonne. Ou l'inverse. Ouais. C'est comme les femmes. Toute femme est juste à partir du moment où elle est bonne. Mais... Je me suis quand même amusé à faire une petite liste. C'est vrai que si on participe de près ou de loin, par exemple, à la lutte contre la pollution, contre l'insécurité, contre les MST, les OGM, contre le racket à l'école, contre la violence faite aux femmes, contre l'antisémitisme, la drogue, le racisme, la faim dans le monde, l'augmentation de la précarité, le droit au logement, la liberté de machin, la globalisation, le tracé du TGV, pour peu qu'on donne au Téléthon, au SIDA, au cancer, à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, à Greenpeace, aux pompiers, à Bernadette Chirac, aux sans-papiers, aux secours populaires, aux orphelins de la police pour plus payer ses PV, aux victimes des inondations, des marées noires, aux orphelins, à la veuve, aux ONG du tiers-monde, il reste plus grand-chose pour la grenouille. sauf que dans 80% de ce que vous venez de dire, eh bien, il y a la protection de l'environnement et de nos richesses naturelles. Et grenouille, c'est juste le petit clin d'œil qui... peut-être va vous interpeller, va vous faire rire, qui permet de parler de choses beaucoup plus graves et qui concernent l'environnement, l'être humain. Moi, ça ne m'a pas fait rire, ça m'a rassuré qu'il y ait des gens comme vous qui soient capables de parler de ça, justement, au milieu de tout ce qu'ils viennent de dire. C'est génial. Bon, mais des grenouilles aussi dans des bouteilles à alcool, tu sais que dans... C'est ça, oui. Alors, on va remercier... C'est dans Harry Potter, ça, uniquement. On va remercier Christophe Lépine, merci beaucoup. Jusqu'au 15 avril, c'est la 10e opération Fréquence Grenouille. Nous allons maintenant accueillir une des plus belles voix américaines, une star. C'est lui qui a chanté, entre autres, des chansons inoubliables comme Me and Mrs. Jones ou Your Song. Et je vous donne un indice, il porte souvent un chapeau sur la tête. Non, c'est pas Derek. Je parle bien sûr de l'immense Billy Powell. Dès demain, il sera en tournée dans toute la France. Et mercredi soir, cette semaine, il sera sur scène à Paris, au Bataclan. Nous profitons donc de son passage dans la capitale pour avoir l'honneur de recevoir Mr. Billy Powell. J'ai déjà eu la chance de vous recevoir à la radio il y a quelques années, c'était sur France Inter, et c'est vrai qu'à chaque fois que vous arrivez et que vous chantez ça... C'est un tabac à chaque fois. C'est celle-ci qu'on vous réclame toujours? Yes, it's really oui. Funny. En fait, c'est très amusant. C'est très amusant parce que. Je l'ai chanté au Brésil. Je la chante très souvent. Mais je ne la répète que tous les deux mois. Je l'ai répété en fait vendredi dernier seulement. Et je pense que toute ma vie, je finirai par la chanter toute ma vie comme Mrs. Jones. Vous la chanterez au Bataclan en tout cas le 10 mars. C'est notre chanson, votre chanson, Your Song. Ça c'est un autre tube. Mrs. Jones, he got a thing going on.
C'est qui cette Mrs. Jones? Vous savez, je suis très heureux que vous m'ayez demandé, parce que ma femme est dans la loge. Et c'est pas elle, Mrs. Jones, en fait. I am not Mrs. Jones. Elle, parce que sinon, elle vous dira elle-même qu'elle n'est pas Mrs. Jones. C'est une femme, bien évidemment. Oui. Avec qui vous avez couché quand? Est-ce qu'on peut mettre de la musique très fort dans les oreilles de Madame Paul? Alors là, je vais avoir des ennuis. Alors, une bonne réponse est la chose suivante. Quand les hommes dorment la nuit, les femmes ont toujours des pensées qui leur viennent. Et ma femme m'a réveillé une fois pendant la nuit. Elle m'a demandé, qui c'est cette Mrs. Jones? Les premières choses que j'ai dit en réveillant, c'est... C'est toi, en fait, c'est toi. Menteur. Alors... She said, liar, liar, pants on fire. Elle a dit, ah, t'es un menteur. And we don't talk about it. Et depuis lors, on n'en parle plus à la maison. Parfait. I tell people on stage, je dis aux gens sur scène, after my performance, après please don't mon call tour de chant, n'appelez pas ma femme Mrs. Jones, je vous en supplie. I do want to go home tonight. Parce que ce soir, je veux bien rentrer tranquillement à la maison. C'est votre femme qui a décidé de partir. Christophe. C'est vrai que cette chanson-là, les millions d'histoires d'amour qui sont nées, mais les millions de vestes qu'on s'est ramassées aussi, hein, quand même. Hein, c'est, yes. Moi, je suis plus souvent rentré la bite sous le bras que... Non, mais c'est vrai. Et ouais, cette chanson-là et When a Man Loves a Woman. Ah oui. Alors là, moi, c'est deux chansons. Moi, ça fait un effet immédiat sur moi. Pas besoin de Prozac. C'est le réflexe de Pavlov. La chanson, ping. C'est lié. Valérie. C'est le Viagra, Manon. Mais pour le Viagra, ou le Prozac. Valérie, elle veut encore un petit extrait de chanson. On a un troisième tube, là, sous la main. Oui, c'est pour ça. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let me. Alors Valérie, ça vous fait rêver ça? Ah ben oui, mais moi je suis un peu comme Christophe. Hein. C'est le problème, c'est que c'est le genre de chanson Mrs. Jones qui fait que vous regardez même pas le partenaire, quoi. Vous dansez, quoi. Alors c'est dangereux, c'est vrai. Vous cachez votre âge ou vous le donnez volontiers? I just had my 68th birthday. Je viens d'avoir 68 ans. Claude. Eh ben, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vraiment beaucoup plus jeune que moi. Et vous êtes formidable, c'est vrai. Mais je voudrais vous poser une question. Vous êtes un peu retiré avec votre femme. Vous vivez beaucoup en Angleterre. Depuis combien de temps vous vivez en Angleterre avec votre femme? No, I don't live in the UK. Je ne vis pas en Angleterre. I live in New Jersey. J'habite dans le New Jersey maintenant. En tout cas, sa femme ne le sait pas. Prochaine date, c'est le 10 mars. Au Bataclan à Paris, on est bien d'accord. Ensuite, le 11 mars à Aix-en-Provence, le 12 mars au Canet, le 13 mars à Toulouse et le 16 mars à Villeneuve-d'Arnon. Voilà, d'Arnon, je ne connais pas ça. Je ne sais pas comment vous allez trouver parce que moi-même, je ne connais pas. Alors... Le marché français, les Français eux-mêmes, me sont très chers. J'ai beaucoup de fans ici. J'adore chanter en France. En fait, le nom de ma femme, c'est Blanche. En fait, je l'appelle Blanche. Ça, c'est pour vous dire que j'aime vraiment mon métier. Je ne sens jamais mon propre âge parce que la musique me conserve. Alors, ça tombe bien que vous parliez de la France.
Parce qu'il y a une épreuve, un petit rendez-vous traditionnel dans cette émission. Dès qu'on reçoit une vedette, une star internationale comme vous, on l'a fait avec Billy Joel, avec Lionel Richie, on l'a fait avec la jeune chanteuse britannique la semaine dernière, Joss Stone, qui commence à faire parler d'elle un peu partout. Et chacun, on leur demande, qu'est-ce que vous connaissez, même 4 ou 5 vers, d'une chanson française? Est-ce que vous seriez capable de me fredonner une chanson française pour rendre hommage au public français qui vous suit depuis longtemps? Je vais vous demander de prendre ce micro. Il réfléchit, Billy Paul. Attention, pas Alouette, Alouette. J'essaie de... Bon, donc une chanson d'Étienne Dao, très bien. Est-ce que quelqu'un peut vous faire une suggestion? Alors, je sais pas, attendez. Moi, tous les Américains connaissent C'est si bon. C'est si bon. La vie en rose. La vie en rose. Ou la vie en rose. C'est si bon. J'avais vive à Arthur Kitt. Ah, c'est court, mais c'est bon. C'est si bon. Ah, c'est pas mal, c'est si bon. Non, c'est bien, c'est bien. C'est mieux qu'Alouette. Si vous croisez Lionel Richie... Ah, vous en avez une autre. And tu m'as séché bon. Allez, un concert au Bataclan cette semaine, le 10 mars, en tournée en province, à Aix-en-Provence, au Canet, à Toulouse et à Villeneuve-d'Ornon le 16 mars. On va remercier et encore applaudir très fort Mr. Billy Paul. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Bruno Mazur, c'est notre dernier invité pour ce soir. C'est un garçon plein d'esprit et d'humour. En tout cas, c'est ce que Michel Drucker nous dit. La semaine dernière, il a sorti un livre intitulé « Comment se fait ce ?» F-A-I-T, plus loin, c'est E. Hein, aux éditions Hors Collection. Cet ouvrage, c'est une série de 700 interrogations made in Bruno sur différents thèmes. La politique, le show business, le sport et je vous en passe. On trouve aussi des questions existentielles particulièrement pertinentes et poétiques. Comme par exemple, pourquoi dit-on un tête à queue et non pas une tête à queue? Nous allons méditer cette question et tester ensemble comment se fait-ce avec Bruno Mazur. Chez Hors Collection. C'est parce que c'est la journée de la femme ou parce que c'est la semaine des poètes que vous m'avez invité? Ah, c'est pour la semaine de la poésie. On a hésité entre Jean-Marie Bigard et vous. C'est bien. Vous avez fait le bon choix. Oh ben, j'aime bien Mazur. Mais quand est-ce, justement, à force d'écrire des bouquins comme ça, quand est-ce que vous montez sur scène pour faire un one-man show, Bruno Mazur? Mais j'ai un peu la trouille et puis j'ai surtout pas de mémoire. Bon, alors, cette fois, ce sont des questions, des questions qui ne sont pas des vraies questions, prétexte à sourire. Quelques-unes sont à des vraies questions. À sourire ou à réfléchir? Oui, c'est ça. C'est un mélange. Hein. On a du mal voulu. Un peu à... C'est voulu. C'est voulu. C'est-à-dire que les trucs un peu rigolos ou non-sens sont faits un peu... C'est un peu le sirop ou la sauce pour faire passer les choses plus sérieuses. Mais il y a des questions extrêmement... Comme on est aujourd'hui la journée des femmes, je voudrais en citer 2-3 parce que montrer qu'il n'y a pas que des galéjades. Pourquoi 80% des smicards sont des smicards? C'est une vraie question. Pourquoi sur 400 grands patrons en France, il n'y a que 12 femmes? Pourquoi en Irak, depuis que ce pays est soi-disant libéré, alors qu'avant c'était un état laïque, les femmes n'osent plus sortir sans voile? Alors ça, c'est la partie sérieuse du livre. Et on pourrait même en rajouter une. Pourquoi quand un homme politique dit des conneries, on met en avant son côté politique? Quand une femme politique dit des conneries, on met en avant son côté femme? Absolument. Non, mais... Il y a des choses qui... Il y a des choses plus marrantes. Pourquoi Diana et Dodi n'ont-ils pas tout simplement appelé un taxi? Bon, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est marrant. Non, il y a des choses que je trouvais marrantes, hein, Bruno. Tintin, qui est reporter, ne demande jamais de fausses notes de frais au restaurant pour ses notes de frais? Ça, c'est des souvenirs personnels. Oui. Pourquoi Loïc, bien sûr, tout le monde le fait. Pourquoi le grand-père Bush n'a-t-il pas mis de capote? Ça, j'aime bien. C'est drôle. Mais oui, on a plein. En fait, moi je croyais que c'était un livre con, et puis c'est pas si con. Non mais
Encore une fois, non, il y en a pour lesquels ouais, vous n'êtes pas foulé. Non, non, mais bien sûr, on est d'accord. Non, mais si ça avait été que des. Mais il y en a bien 3-4 de drôles. S'il avait été que. S'il y avait eu que des questions très sérieuses. Franchement, je pense pas que les gens se seraient précipités dessus, parce qu'on vit déjà dans un monde suffisamment anxiogène. Non, mais... Par exemple, type même de la question sérieuse, pourquoi les jeunes ados homo ont-ils plus de risques, 4 à 7 fois plus de risques de se suicider, ça c'est vraiment statistique, que les jeunes hétéros. Ça prouve même qu'il y a un vrai problème dans la société française. Vous abordez tous les problèmes, ouais. Même les films porno. Vous dites ouais. Pourquoi les films porno sont-ils si mal montés? Ah, c'est celui que tu voulais dire. Ce serait marrant que quelqu'un essaie de vous répondre. Oui. Faire le bouquin des réponses. Claude, vous l'avez lu alors? Oui, oui, moi j'ai bien aimé. Tu sais, de tous tes livres, je crois que c'est celui que je préfère. Ben, merci. Ben, j'ai pas tout lu, hein, et tout ce que tu m'as envoyé. Comme je sais que t'es une fan, ça. J'ai tout lu ça. De mais tout ce pas que t'as pas lu, c'est celui qu'elle préfère. Et puis, il y a très peu de petites blagues à ta façon, tu vois. C'était... Non, vraiment, c'est formidable. Vous êtes très fort, moi, j'ai trouvé. Il y en a une que je dédie au camarade Stevie. Ah, très bien. Pourquoi arrive-t-il même aux imberbes d'être de mauvais poils? Bah oui, je l'ai lu. Alors franchement, il y a des moments où j'ai bien rigolé, puis d'autres où c'était un peu chiant, mais là, en majorité, j'ai bien rigolé et j'ai bien aimé. Par contre, vous qui travaillez avec Michel Drucker, je me suis quand même interrogé sur un pourquoi. Pourquoi Michel Drucker, qui n'a même pas été foutu de décrocher son certif, est-il autorisé, entre parenthèses, pistonné par qui, Bertrand, Jack, Bernadette, à résider rue de l'université? Ouais. Il a lu ce truc-là? Mais c'est drôle. Non, mais c'est drôle parce que oh. Il a. Ah bah, non, moi, j'aurais été votre patron, j'aurais mal. Non, pris. Non, mais c'est comme ça que Miller a été viré. Hein, vous savez. Non, mais. Ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, mon ami Michel Drucker n'a strictement aucun diplôme et il a un complexe épouvantable. Il est très, très, très complexé de ça, donc voilà. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous êtes vachement à voile et à vapeur. Allons bon. Il y a des trucs quand même. Non, mais par exemple, c'est vrai qu'il y a des questions. Quand on regarde des films érotiques sur certaines chaînes, c'est vrai, on voit jamais, toujours des minous, mais jamais de pénis. Hein. C'est vrai, enfin, il y a plein de réflexions, mais il n'y a que les gays, j'allais dire les PD. Il n'y a que les gays qui peuvent se rendre compte de ce genre de choses. Ah non, pas du tout. Les femmes sont très attentives à ça. Pourquoi d'ailleurs il y a ce truc-là? Pourquoi les gens sont comme la campagne publicitaire là pour les caleçons? Pareil, à partir du moment où un homme fait voir un peu trop de choses, c'est censuré, c'est pas correct. Alors que les femmes, elles, mettent des strings et ça passe très bien en affiche publicitaire. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais je vois très bien. Mais attends, je suis suspendue à tes lèvres si je me permets. Allez mec. Pour répondre à ça, il y a peut-être aussi un côté esthétique. Oui. Enfin, moi, je pourrais être en string sur des valises. C'est vrai, 15 gags sur une affiche, c'est pas forcément... Mais si, c'est charmant. Ouais. Il ne faut pas dire de complexe physique. C'est sûr que toi, tu mets un string avec les poils autour et tout, ça va pas faire bien. Tu sais, il y a des garçons qui sont plutôt bien faits. T'as des exemples? Mal fait. Mais tu sais que je t'emmerde. On n'est pas là pour discuter. Oui. On était là pour parler de Bruno Mazur. Alors, moi, j'aime beaucoup Bruno Mazur parce que c'est un type très intelligent qui ne se prend pas au sérieux, alors ça repose, franchement. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont des questions que je me pose moi aussi. Et puis, je vais vous dire, Bruno, vous m'avez proposé jusqu'à présent principalement deux activités. La première, regarder votre sexe dans des coins obscurs. La deuxième, me faire lire des livres. Alors c'est vrai que la deuxième prend plus de temps, mais en même temps, elle est plus nourrissante. Dans les deux cas, il faut une loupe. Il me semble que je l'ai vu aussi, non? Il est normal, il est mignon, il est innocent, il est parfait. Si, mais moi aussi, je me souviens plus si c'était le tien, tu peux me le remontrer. Moi, j'ai une photo formidable que je garde au coffre. C'est quoi? On était ensemble à La Réunion pour France Inter et c'était le soir, on avait un tout petit peu arrosé la soirée. Non. Ça arrive. Et on était au bord de la piscine, Claude était habillé, puis moi, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis déshabillé, je suis un peu exhibitionniste et j'ai la photo de moi, tout nu à côté de Claude, qui ne se rend même pas, qui ne le voit pas. La photo est très, très drôle. Faut nous l'amener. Non, parce que comme l'eau était très froide, je suis pas à mon avantage. Je te montrerai la photo un jour. Derek,
Je me suis permis de faire un petit poème pour Monsieur Mazur. Oh. Ah oui, pour la semaine de la poésie. Ça me paraît évident. Dès que Bruno Mazur paraît à la télé, c'est l'esprit qui s'invite dans la salle à manger. De ses saillies, je m'esbaudis. À ses gaudrioles, je me gondole. Et à ses jeux de mots, je dis bravo. Dès que Bruno Mazur est dans le paf, je fais waf waf. Et quand j'entends une de ses blagues, je me dis, ça pourrait être pire, tu pourrais être au goulag. Pour conclure, de l'esprit, vous êtes la luxure. Je ne dirai qu'un mot, pourvu que ça dure, Monsieur Mazur. Oh. Si après ça, Drucker ne l'embauche pas, alors là, c'est à désespérer. Valérie ? En fait, il est très bien, ce bouquin. Moi, ce que j'aime le moins dans ce bouquin, c'est le titre. Oui, ah, d'accord. Ah, oui. C'est dommage qu'il y ait ce titre. C'est d'autant dommage qu'il a... Je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur le visage de Bruno Mazur. C'est d'autant plus dommage qu'alors vous aviez fait des frais de coiffure. C'est mon look Drucker, ça. Oh, ça, je dois dire, cette mise en pli. Ah, oui, c'est le look Drucker, ça. C'est mieux plat, hein, c'est mieux plat. Ça, c'est terrible. Qui vous a fait ça? C'est la coiffeuse de Drucker. La coiffeuse, il me veut beaucoup de mal. Non. Mais je suis comme ça tous les dimanches. Hein. C'est pas vrai. Moi, j'aime bien. C'est mieux plat. Hein. Mais ça, vous savez, ça... Alors, le prenez pas mal, c'est un compliment pour moi. C'est le genre de livre qu'on met aux toilettes. Mais non, mais c'est vrai. Tu lis ça aux toilettes, c'est rapide et tout. Tu fais ton petit machin, paf, 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 tu rigoles et tu sors joyeux. Et oui, c'est ça. C'est peut-être d'écrire, de faire connaître... Pourquoi j'y arrive pas? Vous restez avec nous, Bruno, pour un jeu, j'imagine que vous connaissez bien, le... Absolument. Comment ça se finit? Pas mal, ça se finit mal, Bruno. Le tac à finir. C'est sur ma feuille. Premier tac à finir. Madame Roselyne Bachelot, à propos de la journée de la femme, déclare « Avec nous, le Premier ministre n'est ni... » Pute. « Ni pute, ni soumise. » Non, pas ni pute, ni soumise. Ni plus... Ni paternaliste, ni... Pas paternaliste. Macho. Condescendant. Paternel. Condescendant, c'est mieux. Misogyne. Alors, pas misogyne, non. Dragueur. Dragueur. C'est le premier mot. Bravo, Derek. N'est ni dragueur, ni... On le soupçonnait pas un instant. Alors donc... C'est quand même la reine des scoops foireux, Roselyne Bachelot. Alors, ni dragueur... Non, ni dragueur, ni... Alors, un synonyme de condescendant. Méprisant, ni dragueur, ni méprisant. Bravo Derek, bravo Alonso. Arlette Laguiller déclare « Nous pensons que doit être remboursé à 100% par les employeurs. » Nous pensons que des manifestes... oui, c'est pas quand que les subventions des manifestations au niveau de l'école et qu'on avait dit que... Plus précisément. Les grèves des étudiants. Non, toi, tu me fais marcher, tu viens de dire « Non, c'est pas ça, je te connais pas. » C'est pas ça. Tu commences à me connaître. Ça, je sais que je vous aurais pas. Alors. C'est parfait, vivre. La carte orange. La carte orange. La carte orange, bravo Alonso. Ça, c'est. Et c'est à ça qu'on reconnaît la vraie révolutionnaire. C'est une revendication fondamentale. Oui, mais au moins, c'est du concret, ça. Ouais, ça, c'est vrai. Ah, je trouve que c'est une mesure concrète et c'est pas idiot. On termine par Chirelle. Et Chirelle dit : Je ne supporte pas quelque chose. D'ailleurs, moi, j'en mets, mieux je chante. Les culottes. Maquillage. Le parfum. Les soutiens-gorge. Les soutiens-gorge. Les culottes. Non, pas les culottes. Les soutiens-gorge. Le maquillage. Le maquillage. Bravo Valérie Mérès, bravo Claude Faro. Ce que je ne comprends pas, c'est en quoi le maquillage fait moins bien chanter. Parce qu'elle se sent plus... Naturelle. Plus elle-même sans maquillage, oui. Mm-hmm. C'est intéressant, oui. Vous vous maquillez tous les jours. Moi oui. Ah non, je mets de la poudre. Non, de la poudre. Je mets de la terracotta sur les joues. Mettez quoi ? De la terracotta sur les joues. Parce que ça donne un effet bonne mine. C'est ce fond de teint, tu vois. Non, c'est pas un fond de teint. C'est pour avoir l'air bronzé. C'est de la terre. Si tu veux bonne mine, je peux te coller une baffe, hein, si tu veux. Plus de 700 interrogations, sans réponse, mais de quoi s'amuser, de quoi réfléchir. C'est comment se fait ce... C'est signé Bruno Mazur. Merci Bruno. Merci beaucoup. À demain.